Bon, si je veux revoir mes poissons, je vais devoir aller dans la forêt et prendre une photo de Siren Head. C'est quoi ton contre-bloc, si tu peux me le dire, et comme ça on pourra jouer ensemble. Tout simplement, c'est bizarre, non? Tout simplement, c'est ton nom, ça marche. C'est bizarre, attends, je vais l'écrire. C'est pas un peu bizarre, un pseudo qui s'appelle tout simplement. Bon, je vais essayer. Tout simplement. Voilà. Quoi? Ça marche? Non, c'est impossible. Oui, elle est en ligne. Attends, je joue avec elle. Quoi? Mais pourquoi elle m'appelle encore? Allô? Pourquoi tu m'appelles encore? J'ai ton pseudo, c'est bon? Ah, c'est pas. C'est pas ma copine, ça. C'est Angela. Qu'est-ce qu'elle dit? Oui, Angela, j'ai un rendez-vous chez l'opticien. Et alors, ça ne te concerne pas. Ah! Oh, ça, c'est la meilleure blague de l'année. Injecter un virus dans l'ordinateur de l'opticienne. N'importe quoi. Angela, n'imagine même pas ça dans tes rêves. Je n'injecterai jamais un virus dans un ordinateur. Envoyé. C'est l'heure d'aller à l'opticien. Allez, j'y vais. Laisse-moi tranquille, Angela. Vérifie de la chaîne. Vérifie Chelsea dans la chambre 2, s'il vous plaît. Vérifie dans la chambre 2. Bonjour, Verity. Bonjour, Madame Yasmine. Alors, qu'est-ce qui t'amène dans mon bureau aujourd'hui? J'ai pris un rendez-vous ici parce que la rentrée commence bientôt et j'ai besoin d'une nouvelle paire de lunettes. Oh oui, c'est une bonne idée ça, Verity. C'est toujours bien de prévoir tout ce qu'on aurait besoin pour la rentrée. Tu as bien fait, mais tu sais, je ne peux pas te prescrire une paire de lunettes aussi facilement. Il faut d'abord faire un examen de vue. D'accord, ça va pas faire mal, j'espère. Ben non, pas du tout. Il faut juste suivre mes conseils. On va commencer avec le premier exercice. Maintenant, ouvre l'œil et lis tout ce que tu vois sur la première ligne. T-A-F-S-R-V-T-U-W. Très bien, Verity. Et maintenant, je vais mettre un cache sur un œil. Et Verity, tu me dis si tu vois un hippopotame qui bouge ses fesses. Oui, je le vois. Très bien. Et maintenant, tu vas me dire si tu vois un petit singe qui porte une couche. Ah oui. Elle est grosse, cette couche. Oh. Excellent. Et maintenant, tu vas me dire si tu vois un monsieur sur les toilettes. Oui, mais j'ai pas trop l'impression qu'il est sur les toilettes. Oh. Bah, c'est noté. Quoi? Non, je peux faire ça. Mettre un virus dans l'ordinateur de la docteure. Non, t'es folle, Angela, je peux pas faire ça. Attends, il y a plein de surveillants qui surveillent. Je peux pas faire ça, il y a trop de surveillants. Pas de téléphone dans mon bureau. Pas de téléphone, il faut l'éteindre tout de suite. Quoi? Attends, j'ai reçu un message. Juste
Juste un instant, Vérité, je suis avec toi dans un instant. Je dois noter le dernier dossier. D'accord. Laisse-moi tranquille, Angela. N'aie pas peur, Vérité. On va juste faire un examen dans l'obscurité. Rapproche ta tête. Très bien. Maintenant, regarde tout droit. Oui. Très bien, l'examen est terminé. Maintenant, tu peux aller en magasin choisir tes lunettes de vue. Mais c'est quoi ce message? Attendez une seconde, madame, s'il vous plaît. Pas de téléphone, il faut les faire tout de suite. Attendez. Juste une seconde. Aujourd'hui, je suis à la recherche de nouvelles lunettes pour lire. Vous portez des lunettes aussi, laissez un méga pouce bleu maintenant. Pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu. Voilà, je suis de retour. Je vais retourner jouer à Roblox. Mais oui, c'est bien ça, Verity TV. Verity-TV. Mais c'est quoi ce bruit? Angela, non, ça n'a pas marché, ton histoire de hacking là. J'ai rien fait, ok? Non, non et non, j'ai pas fait, ok? J'ai pas mis de virus dans l'ordinateur du médecin. Qu'est-ce qu'elle dit là? Ok, on n'en parle plus. Oui, oui, on n'en parle plus. Oui, tout va bien, y a rien qui a changé. Mon aquarium? Bah ouais, dans mon aquarium, tout va bien. Y a Darwin et Gumball qui sont là. D'ailleurs, j'allais leur donner à manger, j'ai oublié ce matin. Darwin, Gumball, c'est l'heure de manger. Darwin, Gumball. Darwin, Gumball, où est-ce que vous vous cachez? Sortez de votre cachette, on doit manger maintenant. Mais, attendez, qu'ils sont dans le château là. Darwin, Gumball. Non, ils sont pas dans l'aquarium. Angela, où sont passés Darwin et Gumball? Qu'est-ce qu'elle dit là? Puisque tu m'as pas hacké l'ordinateur, j'ai volé tes deux poissons. Non, 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 s'il te plaît, Angela, qu'est-ce que je peux faire pour les retrouver? Ils sont tellement sensibles, surtout Gumball. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah non, c'est pas possible, elle peut pas me demander ça quand même. Allez dans la forêt et prends une photo de Saiwan Head. Mais c'est quoi ce Saiwan Head? Je pensais que ça existait pas. Oh non, elle me renvoie la photo. Ah ouais, il est trop bizarre, Simon Head. C'est un monstre énorme, hyper grand. Il a des haut-parleurs à la place de la tête. Et dedans, à la place des yeux. Et il a même pas de peau, il a juste des os. Et d'ailleurs, est-ce qu'il existe vraiment, Simon Head? Je vais demander à Angela. Angela, est-ce que Simon Head existe vraiment? Et s'il existe vraiment, où est-ce que je pourrais le trouver? Ah oui, c'est vrai. Simon Head est dans la forêt. Angela, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre que je pourrais faire pour retrouver mes poissons? Pourquoi Angela veut que j'aille dans la forêt pour prendre une photo de Simon Head? Siri, est-ce que Simon Head existe vraiment? Voilà ce que j'ai trouvé sur le web. Qu'est-ce qu'elle a trouvé là? Quoi? Simon Head est très dangereux, très agressif, avec des bras démesurés. Il imite les voix pour se cacher dans la forêt. Non, non, c'est impossible, je peux pas aller dans la forêt. Non, non, c'est impossible. Oh, j'ai peur. Gumball, Darwin, est-ce que vous allez bien? Vous me manquez tellement. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Bon, si je veux revoir mes poissons, je vais devoir aller dans la forêt.
et prendre une photo de Siwon Head.